selon des sources bien introduites au sein du cercle restreint de Brazzaville. Le dictateur Denis Sassou Nguesso aurait empoché des centaines de millions de dollars pour participer à l'expérience vaccinale contre la Covid-19. Une expérience médicale dont la majeure partie de la population ignore les conséquences des effets indésirables à long terme. Pourquoi vouloir vacciner la population alors que le Congo a été faiblement touché par la pandémie du coronavirus? Des millions de dollars et des milliers de morts dans les prochaines années. Qui assumera une telle responsabilité? La décision de vacciner les citoyens congolais n'a fait aucun objet de débat éclairé des spécialistes de la santé dans le pays. Une attitude méprisante d'un régime, d'un homme qui est prêt à tout pour pouvoir plaire à ses maîtres occidentaux, notamment français. Nous vous invitons à la réflexion et à une analyse technique de ce nouveau scandale sanitaire qui risque d'ébranler le Congo dans les années à venir. Les acteurs politiques qui disposent de l'effectivité du pouvoir aujourd'hui devront rendre des comptes un jour ou l'autre. Nous vous encourageons à nous faire savoir votre point de vue dans l'espace commentaire. Merci de partager l'information avec vos proches. Abonnez-vous les amis.